Salut les nouvelles fans! Aujourd'hui, nous allons présenter une recette, un petit recette rapide. Comment faire farata feuilleté. Et sa farata là, c'est capable d'accompagner avec un bon carissa ou bien petit déjeuner. Je mets du beurre, fromage là-dedans, je mets ça aux octavois. Maman qui me coûte déjà le vient à la bouche. Et sans plus tarder, laissez-nous passer à l'ingrédient. Nous commençons à nous montrer step by step comment faire farata feuilleté bien. Allez, Lydia nous peut servir 500 g de farine, all-purpose flour. Là-dedans, nous pouvons mettre une grosse cuillère du sucre, baking powder, nous mettons la moitié petite cuillère, autant. Le sel. Le sel là, je vais mettre une petite cuillère. Là, on va mettre une grosse cuillère du beurre. Là, comme ça. Et là, après, on va mettre de l'eau chaude. De l'eau là, on va mettre beaucoup de choses après la fin, comme de l'eau. Voilà, nous finissons, préparons-nous la pâte. Là, nous laissons poser pendant 30 minutes. À tout à l'heure. Nous pouvons aussi montrer comment faire alu paratha. Pour ceux qui ne connaissent pas, alu paratha, c'est un rôti avec pommes de terre à l'intérieur. Ça qui est bizarre, moi, je finis steam mes pommes de terre. Maintenant, je crase. Crasi chérie. Mon corps crasi. Bien crasi. Mon corps m'a assez cuit. Vous allez mettre du bruit à quoi tu dis. Là, nous rebouillons pour les pommes de terre à quoi tu dis. Et nous sommes recrasés un coup. Parce que c'est recrasé bien. Aïe là. Comme nous étions parés, c'est nous préparer nos carrés. C'était nous préparer nos carrés, nous mettons un petit guide du beurre. Un petit guide du oignon, nous coupons les petits carrés, petits carrés. Rajoute une pomme de terre ou assaisonne une pomme de terre. Nous pouvons mettre un petit cilantro, un petit safran, un peu de sel, du poivre. Assaisonne une pomme de terre, un petit mélange du beurre avec la farine pour nous passer nos farata. Ça même qui pourrait aller une feuilleté là. Viens nous prendre 5 cuillères de beurre. Cinq gros cuillères du beurre. On va nous mettre des gros cuillères à la farine. Et nous mélangeons. Là, on passe dans le micro-ondes. 5 secondes. Du beurre, là, on a un peu. Là, c'est plus facile de mélanger. Voilà. On nous garde ça de côté. Là, nous servons des boules dans nos
Là, nous la partie nous causer pendant 30 minutes. Et dernièrement, nous oublions 10 heures, nous mettons 250 ml de l'eau sur la non, quand nous mélangeons nous la pâte. Et à ce temps, nous divisons en 10 bouts. Bien, nous gagnons 10 paratères avec ça. Division en 10, après nous faisons 5 bouts là non. Voilà, nous gagnons 10 bouts. C'est ce que nous faisons, nous bélolis, bien mince et plus grand que nous sommes capables. Prends mon bel là. Là, on peut trouver la pâte, une bélolis bien mince et à ce moment-là, passe mon bélo. Nous passer net en tirotis là. Là, quand on finit par se diviser bien partout en tirotis là, nous roulons comme on va rouler une Swiss roll. Voilà, des bobines comme ça. Voilà, des bobines minces comme ça, long. À cette belle sa direction là. On fait des gants qui forment rectangle. Là, on a fini belle. Après, nous roulons, on fait des vilaines carrées. Voilà. Des vilaines carrées. Ça nous fait pareil pour tous les 10. Là, maintenant, pour nous faire nos alparata, nous allons nous rôtir. Nous finissons avec pommes de terre là. La moitié. La moitié seule. Avec les ingrédients qui nous servent, nous avons 10 farata, nous avons fait, nous pouvons faire 10, nous pouvons faire 8 farata feuilletés avec des alouparata. Là, que c'est une finie méthode carrée, avec un point de chip de la mort. Là. Là, nous mettons la pâte là, nous fermons. Astéen ou Bélo, nous faisons la terre. Maintenant, nous faisons la terre une brée. Alouparata est-il prêt? Maintenant, nous passons à la dégustation. Nous pouvons faire nos farata avec un carizac, avec songe. J'ai vraiment... Vous trouvez qu'on a trouvé les mines bien feuilletées à l'intérieur, rôties. Voilà. Alouparata là, bien bon. Bien bon. J'espère que vous êtes contents de nos vidéos et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne InspireMe pour encourager nous à faire encore plus de vidéos et like nos vidéos aussi et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne InspireMe. Merci beaucoup. Bye. Bye.